Un sacré morceau. Jean-Louis Aubert, dont la tournée fait un carton. Du rock pur jus qui ressemble à une vraie cure de jouvence, tellement il semble prendre du plaisir sur scène. Plaisir partagé par ses musiciens, comme l'indissociable Richard Kolinka à la batterie ou le génial percu Feedback, et bien entendu par le public. À Paris au Zénith, nous avons eu la surprise de retrouver Louis Bertignac sur scène, soit trois téléphones. Voilà comment cela s'est passé à Bourges un certain mercredi après-midi. J'adore tourner. Je suis bien. Je suis bien la journée. Je suis bien le soir. Je suis bien avant, après. Sur toutes les plages, de tous les coins, y a des mômes qui tendent la main au navire de passage. Ah. Et si pour toi la place est paradis. On est toujours au centre d'une fête, quoi. Beaucoup d'énergie vient vers nous. En fait, on vit de ça, on est des vrais vampires, on se nourrit de ça, quoi. Les gens disent, vous donnez vachement, comment vous faites, ou t'as l'air rikiki comme ça, comment tu fais sur scène. Moi, je me laisse porter, simplement. Je me laisse porter. Et si j'apprends bien une chose, c'est que pour bien donner, il faut savoir recevoir. This guy, Jean-Louis Aubert, you know him a little bit? Yeah, I know. I know some of the things he's done, with television and stuff. Telephone. Yeah, I mean, there's a television too. That's another bad, yeah, it's bad. It's a good band. J'ai une réputation régionale, nationale, mondiale, du moment que, au moment où je joue, il y a des gens qui ont le sourire et que la salle est pleine, même si elle est petite, je suis content. La semaine prochaine dans Nouba, trois comebacks qui font du bruit. Celui de Terence Trent D'Arby qui nous a reçus. Ainsi...